Ça va, Zbing inestimable. Je suis énervé. Ah, merde. Bah. Désolé. T'abuses. Tu fous de... T'es sérieuse? Putain, tu sais sale gamine. Cette merde. Tu... C'est un vase de la famille. On a depuis des générations. C'est quoi cet endroit? Bah, un musée, connard. Ah, tu peux pas casser des trucs sous vitrine, ça se trouve, il y a des choses à l'intérieur. Regarde ça. Ah, oui, c'est vrai. Ah, gratuit. Oh, des œuvres d'art. Oh, c'est joli ça. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu me dises, c'est quoi ton expérience avec The Last of Us ? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec toi. D'accord, donc ta seule expérience de The Last of Us, c'est 3 heures de jeu de la partie 2. Exactement. Tu as vu la série ? Absolument pas, j'avais envie de la regarder quand même. Parce que je savais qu'on attendait la sortie de la partie 1 de The Last of Us sur l'Epic Game Store. J'attendais ça avec une grande impatience. Bien joué, il est possible qu'il y ait des gens qui pensent que... Oh putain, ils ont fait un jeu inspiré de la série. Non. C'est possible. J'espère qu'on le verra passer, peut-être dans les commentaires YouTube. J'espère vraiment. Ça va, le jeu est joli, mais ça n'a rien à voir avec les acteurs, je trouve. Wouh! On adore Naughty Dog! Super! Le meilleur jeu qu'ils aient fait, c'est Crash Bandicoot et tout le reste après, c'était moins bien. T'es vraiment une merde. Ah, de toute façon, faut t'habituer, je vais être casse-couille. Hein. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Elle te plaît? C'est gentil, mais. Dis merci, connard. Il a jamais dit merci! Avec quel argent t'as acheté ça? Mais putain! Il a 15 questions avant de lui dire merci! Joël a fait très mauvaise impression auprès de là, que c'est foutu. Bon bah, elle aura pas eu de merci! Ah, c'est un truc de ouf! Et ça, c'est votre héros? Putain! Oui, tu auras reconnu les accords faits par Gustavo Santa Olaya, qui sera d'ailleurs à Paris le 16. Moi, je l'ai pas mentionné parce que ça me semblait être une évidence, mais tout à fait. Attends, j'ai peur. J'ai l'impression que nous n'avons pas précisé que le jeu était disponible sur l'Epic Game Store avec le lien dans la description. Mais oui, si on a ce jeu magnifique sur PC, c'est parce qu'il est maintenant sur l'Epic Game Store. Mais alors, si je l'achète sur l'Epic Game Store, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en profiter pleinement? Le créateur tranquille. Ah, bravo. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. Bizarre. Tiens. Je vous rappelle que je n'ai jamais vu The Last of Us, rien du tout, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je m'attends vraiment à tout. Si c'est un jeu sur les épidémies de grippe, ça peut être exceptionnel, vraiment. Et je sais surtout que le père va être introuvable parce qu'il est dans le jardin. Et non, il se branle devant un bon porno des familles sur sa télé catholique. Comme tous les bons pères de famille. J'ai eu peur. Sarah, tu vas bien? Oui, ça va. Mais tu m'as toujours pas dit merci, papa. Je suis un peu vexé. N'approche pas des portes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des talibans? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, dans notre jardin. C'est les Coopers, ce sont des talibans. Je les ai vus entier là-bas dans le salon. Regarde-les. Oh là. Je crois que je suis en train de comprendre. Oh non, ça faut faire... ça faut le mettre dans une série, ça c'est super visuel. Oh non, franchement. Ah, il faudrait... Alors si c'est pas dans une série, il faudrait le faire. Après, si je peux me permettre, je suis très inquiet parce que cette petite fille, moi je l'ai rarement vue sur les screens. Mais bon. Je peux juste exprimer une inquiétude quoi. C'est tout. Oh là, lui c'est un malade. Ah, je l'avais dit, hein, c'est un malade. Les gens ne savent pas conduire, hein. C'est dingue. Hein. Il est derrière moi là. Cours. Mais là, il est. Mais là, c'est chiant là. Non mais lâche Sarah, mets-lui un pain. Sur toi de Sarah comme d'un projectile. Ouais, regarde, lui il est bon lui. Il est bon à manger. Ah merde, c'est un méchant. Bah non, merde. Ah putain. Oh merde. Mais non. Sarah, chérie, tu aurais pu dire et merci. Toute sa vie, voilà, toute sa vie, il se souviendra qu'il lui a pas dit merci. Putain, ça y est, on est en couple avec la camée du coin. Fais chier. L'actrice qui interprète ce personnage est décédée très récemment. Ah bon? Couvre-feu, vaccination... Ça nous rappelle un certain gouvernement restrictif. Ça me rappelle une certaine dictature. Ça me rappelle une certaine... J'arrête là. Ah, c'est rare qu'il annule une vanne. Je viens de penser aux gens qui étaient partis faire de la garde à vue pour avoir dit des trucs vraiment ok, tiers. Non, je teste les touches. Jamais je me permettrai. Putain. Honnêtement, je pense pas avoir la force pour tirer un homme de 85 kilos à un seul bras comme ça. Il est sacré en baraque, elle l'a soulevé d'une main avant qu'il s'accroche tout seul. Hein. Elle est forte, hein. Grand respect. Eh, on a là-dedans la camée de merde. Non. Pardon.
vraiment. Pardon. Je le pensais pas. J'attendais pas ce caméra, pardon. Et là, ouais, tu commences à voir. Oh alors là, hey. Ouais. Oh là 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 là, hey. Ouais, 2-3 fougères. Ouais, ils ont bien fait le truc, hein, ça va. Alors que sur Crash Bandicoot, là au moins, il y a des pommes, il y a un couloir. Ouais, non, mais c'est malin. 2-3 fougères, 2 oiseaux qui s'envolent et l'ambiance est folle. Eh hey Joël, qu'est-ce qu'il y a, deux bras, deux jambes et qui a envie? Pas Sarah, ta fille morte, haha. Salaud, il se permet. Présente Joël. Putain, attention. Moi, j'étais pas loin. Mon masque pété. Ouais, et ben, fais attention, montre-moi tes bras et tes jambes. Ah bah, il veut pas muter. Bah, il va muter, donc ouais, bah ouais. Non, bah non. Tu sais, je suis très rationnel. Pas d'émotion. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Arrêtez-vous. Je croyais qu'elle allait te tirer dessus. Ouais. Elle t'a braqué pendant une seconde. Elle est arrivée hyper agressive, j'ai eu comme un doute. Attention, je te tombe dessus. Le mec qui fait des vannes. Il a 5 ans d'âge mental. Je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Tu sais ce que j'ai fait au dernier show que j'ai croisé? Oh bah tiens, oh ouais, exactement la même chose. La devinette était très courte. Elle a même pas eu le temps de la finir. Alors... Tu sais ce que j'ai déjà. Mais en même temps, si on tue tous les gars de Robert, il va peut-être pas Robert nous accueillir. Robert va pas être content normalement. Wow. Oh là. Tu veux un combat d'homme à homme? Attaque éclair! Attaque éclair! Tu la connais celle-là? On doit atteindre cette porte. Faites vos paris. Y arrivera-t-il en stealth jusqu'à la porte ou va-t-il ouvrir le feu? Allô? Allô? Toi, c'est... Oh, non, oh, mais là, comment le savoir? Et en plus, il esquive la bouteille parfaitement. Il était là. Oh. Je le savais. Oh, bien vu, Tess. Super! Super, Tess! T'as des compliments! C'est super ça, Tess! C'est génial ce que tu fais là! Yes, une brique! Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute avec? Hé, hey, Marlène! Putain, ils ont eu Warren! Ouais. Bah, perso, je m'en fous! C'est pas moi! L'interaction sociale! Ouais. Ouais. C'est quoi la marchandise? Ah, alors d'après toi, c'est quoi la marchandise? C'est des médicaments! Oui. À pas me donner des armes, puisque je veux des armes. De la bouffe. J'ai faim, toujours pas compris. Regarde dans le plan là, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, je regardais pas. Putain, la voilà, les problèmes commencent. La l'emmerdeuse. Regarde, gnon. Attends, parce que là, je dois faire une manœuvre. Ouais, bah n'empêche, regarde, c'est pas très compliqué, non? Ils vont pas nous faire chier, ils peuvent tenir jusqu'à 64 ans à le faire. Quel connard. C'est le travail d'un seul homme. Attends, j'espère que quand je dors, je fais pas des trucs comme ça, genre... C'est horrible. Ma meuf m'a envoyé une vidéo. J'ai grave honte, hein. C'est une exclusivité mondiale que je te donne. Pas si on entend. Oh, on a entendu un tout petit peu au début. Ah, on entend juste... Oh, ça siffle. Oh, c'est insupportable. Je suis un cochon. Ah, c'est un siffle. Je ronfle pas normalement, je fais... ça ronfle et après ça siffle. Il y a quelqu'un qui m'a dit le porcelet. Oh le porcelet carrément. Qu'est-ce que les lucioles te veulent au juste? Ah oui, tiens, ouais. Qui ne connaît pas l'histoire. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles lui veulent les lucioles à Ellie? Bah c'est un truc de zombie, elle doit avoir un truc important par rapport à l'infection. Eh oui, elle a un doctorat en médecine. À 14 ans, elle a compris comment éradiquer le virus. Dans combien de temps? Quelques minutes. Oh. Désolée. Ah, elle voulait pas être scannée, parce qu'en fait, elle est infectée et pourtant elle n'a pas muté. Mais alors quel est ce bénéfice? Positive. Allez, on va faire un PCR, on arrête ces conneries. On va à la pharmacie, c'est bon. Bon Barlette, c'est bon, c'est fini les conneries. Oh là là, c'est une ah ouais, catastrophe. Ah ouais, t'as plus balle. Tiens, dans ta gueule. Vas-y, corps à corps. Donc là... Non, bah non. Non, jamais j'aurais fait ça, t'inquiète pas, je vais se tromper de touche. Jamais je ferais ça à Tess, ma meilleure pote. Si on se débarrassait de l'antidote une bonne fois pour toutes. S'il y avait un antidote, on le saurait. Les merdias nous mentent, allez hop. Joël, il se fera pas vacciner, il est pas dupe, ok? Je servirai pas de cobaye, allez-y vous, je vous regarde. Il va aller l'écrire sur Facebook là. Une gamine m'a dit qu'elle avait l'antidote. Pas moi. Je l'ai étranglé derrière le local à poubelle. Oh non, pas les claqueurs! Je sais les imiter à la perfection! Vas-y! Ça a commencé? Ah, ça a coupé sur Discord? Le chat te dira une note sur 10 de mon imitation du claqueur. Oh bah là. Ah, voyez! C'est ça que je vais imiter super bien! J'aimerais bien savoir quel bruit ça va faire. Bah, le même. Alors là. Alors, c'est pas ça. Bravo, que je voulais. T'as cassé ta seule brique! J'ai cassé ma brique et en plus, j'ai pas de soin. Oh là 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 là. Tu as le vertige? Non, mais j'ai quand même peur de mourir si j'avais su dans ces conditions. Ouais, des petites couilles. Hein. Bon, le mec il se met debout sur un escabeau, il tremble des genoux.
Ah, ils sont beaucoup quand même, hein. Ah, mais tu gaspilles tes trucs comme ça. C'est toi qui gaspilles tes trucs. Oh non, c'est un claqueur derrière. Claqueur ! Claqueur ! On se casse ! On monte ! Vous savez pas monter ? Ah, si, si, vous savez ! Oh, il a pas ouvert le petit placard de base, il a loupé simplement du monstre incroyable. Oh là, oh là. No hit, no hit, mon gars. Ok, je cours. Oh, les souffleurs. C'est pas mon chargeur. Oh, c'est la merde. Oh, attention, Montes. Oh. Elle a failli s'en prendre une. Oh, bah là, c'est pas loin. Quand tu es rentré dans le bâtiment, au tout début, tu avais un casier bleu sur ta gauche dans lequel se cache certainement un truc très spécial. Très spécial, hein. Oh. Ça, c'est très spécial, non? Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un coffre. Alors, si c'est comme dans le 2, ça peut marcher au son. Si t'es très lent, tu peux entendre un tic. Là, je suis sûr que j'ai appris un truc à pas mal de gens. Ah. Pas génial? C'est incroyable. Bingo! C'est incroyable ce truc. Putain, et vous saviez pas ça. De toute façon, le seul code que vous devez connaître... C'est le code créateur Wankill. Excusez-moi, il y a une commande de ramassage automatique pour le loot dans les réglages pour les gourmands comme vous. Oh! Échange d'armes auto... Ouais, bah ouais, ça te facilite. Bah ouais, carrément. Bah ouais, j'adore. Et y a quoi d'autre? Il veut juste poser la manette et que ça bouge tout seul. Mais ouais, je pense. Bah ouais. Toutes les options de cours. Je suis au marché. Ouais. Il n'existe aucun vaccin ni aucun traitement pour ralentir l'incubation de l'ICC. T'entends ça, Ellie? Tu l'as, elle t'a menti. Ellie, je viens de lire un document scientifique qui indique... Je viens de lire un article sur Facebook, Ellie. C'est hyper imprudent ce que tu fais. C'est hyper imprudent. Ah bah super, on passe comment maintenant? Je vais essayer de vous rejoindre. Ils sont là. Ah ça va, ils sont de votre côté, donc ça va. Tess. Oh là. Tess, c'est toi. Tu as mal à la cheville. Tout, finalement. Why is that? Oh là, oh putain. Oh là, elle t'a cramé. Moi je salue. Et c'est ta première mort. Oh là là, c'est... Ta gueule, ferme ta gueule, me donne pas des conseils, c'est humiliant. Ah, touche à ton cul par contre. Nique ta mère. Niquez tous vos mères. Allez, va voir. Voilà. Va voir par là si j'y suis là. Comme les chauves-souris, ils utilisent l'écholocalisation. Ils se déplacent juste à cause du son. Masterclass. Je peux recommencer à tout péter? Casse pas, ça fait du bruit. Non, sans déconner. Hein? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, attention, ça va pas. Loupé. Oh non, vous êtes trop là. Non, aïe, la vitre. Connard. J'en tue deux, il y a le troisième qui me met une pichenette. La question que tu dois te poser, on n'a pas de réponse, c'est d'après toi, Joël et Tess, ils baisent ensemble ou pas? Écoute-moi bien. Joël et Tess, ils ont baisé, mais ils baissent plus. Ok? C'est là le problème. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Oh, je suis trop fort! Oh, je suis trop fort, sa mère! Elle est infectée. Oh non. Oh bah alors là, je te baisse plus. Alors là, c'est non merci. Et Clavidia, alors là, c'est dégueulasse. Dommage, on avait trouvé l'antidote, quoi. Ça s'est joué à rien, Tess. Oh putain, c'est chiant, Tess. Putain, encore une semaine et ça aurait pu aller, quoi. Mais bon. Oh, le fusil! Alors là, j'espère qu'on peut le prendre. Oh, le fusil. Oh oui, il brille. Le fusil qui brille. Ça, avec une lunette, ça doit être pas mal. Regarde. Ah, y'en a qui te voient là, y'en a qui te voient. Quand t'as cette musique là, c'est que... Ouais, à côté. Replie, aïe. J'ai pris une méchante balle, Ellie. Attention. Regarde, Ellie. Jamais laissé dépasser sa tête. Ah, vous m'avez vu. Bravo. Sur l'épaule. Ça fait 3 balles qui se font dans l'épaule. Y'a plus d'épaule. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, clic clic, il a dit, il a raison. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te foncer dessus, ok? Montre-toi. Oh, bien fait, ça. Ça, c'est bien fait, ça. Bravo. Alors ça? C'est bien, Ellie. T'as eu raison de faire ça. Franchement, le jeu, il est excellent. Le seul problème que je trouve, c'est Joël, quoi. Pire personnage ever. Ever. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. Répète-le. Il y a des gens qui aiment ce connard. Putain. Joël, il se trash. Si je devais choisir entre tuer Joël ou tuer Adolf Hitler, j'hésiterais. Regarde, Enfin, abruti, toi, ou quoi? Le décale à chaque fois. Je me rends compte, quoi.